Attention citoyens, écoutez cette fanfiction en 7 parties d'un délit de classe 4. Alors quitte à se mettre en infraction, autant commencer par le premier épisode. Hyperdrive et Zone 52 présentent les Chroniques Galactiques. Saison 1, épisode 2. Une torpille à 5000. Fouillez le vaisseau, trouvez l'équipage et emmenez-les en salle d'interrogatoire. Rosu, toi, avec moi. J'ai quand même mes bons moments, admets-le. On est caché dans la trappe du vaisseau à attendre que des Stormtroopers nous trouvent. On est stationné dans le hangar d'un Super Destroyers avec des centaines de soldats et autant de chasseurs. Il y a carrément un TBTT et Blast. À quel moment trouves-tu ce plan bon? Eh, il s'est passé 10 bonnes minutes avant qu'ils entrent dans le vaisseau qui était déjà déverrouillé. Ils vont finir par se demander s'il a pas déjà été fouillé, tu vas voir. Il y a forcément un officier qui contrôle tout ça. Ils vont démonter l'appareil pièce par pièce jusqu'à ce qu'ils trouvent un truc. Je dis patience. Qu'est-ce que tu fous? C'est le moment de boire une bière, tu trouves? Où tu l'as trouvé d'ailleurs? J'en ai acheté une vingtaine sur Cato Nemoidia. Je les ai chargées tout à l'heure. Et moi je suis assis sur RK et je me lacère les jambes avec ces vibrolames. Ça le ferait bien marrer ça. T'en veux une? Non! C'est pas le moment de boire une bière, bon sang. Hey, on est parti pour rester ici quelques temps. Relax, elle est encore fraîche en plus. Ok, file-moi une. C'était quoi ça? Chut, on va se faire descendre. Commence par arrêter de parler alors. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu me la sers dans un verre? On n'est pas des bêtes. C'est une bière corélienne archi-rare. Ça se savoure. Tu l'as trouvé où ton verre? Pas ici, là. Mais j'y crois pas. Je suis censé stocker de la contrebande ici, pas un minibar. Tu sais, tu vivras plus longtemps si tu te détends un peu. Je vivrai plus longtemps si je bosse en solo. Oui, et attends, il est où le colis? C'est pas toi qui l'as? Non, non, c'est pas moi qui l'ai. Blast, je suis assis dessus. Quoi? Lève-toi, Chuta. Comment tu veux que je me lève? Le plafond est à moins d'un mètre. Ah, j'ai enfoncé la boîte, un peu. Mais c'est pas croyable, quoi. T'es assis sur un colis à 20 plaques, file-le-moi. Relax, il va bien. Et jusqu'ici, on s'en sort très bien. Je crois qu'il est ok, ouais. Tu vois, pas de soucis. Tiens, à la tienne. Ouais, merci. Y'a personne ici. L'équipage est déjà en interrogatoire. Je sais pas, on me dit jamais rien, moi. Va demander au contrôle. À ton avis, que fout l'Empire sur Dantooine? Ça doit avoir un lien avec l'attaque de Scarif par les rebelles. Il paraît qu'ils ont frappé fort. L'Empire veut sans doute rappeler qui est le patron. J'aurais pas misé un crédit dessus, mais les rebelles sont en train de foutre un sacré cirque. Ce qui arrive, c'est un gros bastion. C'est dingue que la planète soit tombée. Attends, attends. Elle est tombée parce que l'Empire en a rasé la moitié toute seule à coups de frappe orbitale. Tout ça pour quelques rebelles, ils sont complètement cinglés. Il paraît que ça plaisante pas leur étoile noire. Bof, l'Empire en fait toujours des caisses avec ses armes. Cette étoile noire, j'attends de la voir pour être impressionné. En tout cas, cette rébellion, c'est pas bon pour les affaires. Ça dépend. Si l'Empire tombe, ça peut créer une sacrée pagaille. Et ça, c'est toujours bon pour les affaires. Perso, j'ai jamais été aussi cher. D'ailleurs, à ce propos, je me demandais, tu poses beaucoup? On se maintient, ça va? Pourquoi? Bah, je sais pas, t'as quand même un style... Enfin, je sais même pas pourquoi je parle de style, mais tu vois, j'ai jamais vu un mec autant à l'arrache. Eh, ça s'appelle de la résilience. Quand les choses dérapent, faut réagir vite, c'est tout. Et toi? Quoi, moi? Les affaires, ça va? Ouais, ça va. Je pose beaucoup avec Talon Card. Des contrats pro. Je suis là pour le pilotage du vaisseau et un peu d'électronique. 50% avant, 50% une fois que c'est fait. Tash Rendar m'a dit que t'avais quelques problèmes de thunes. Rendar a dit ça, mais quelle barbe celui-là. Fidèle à lui-même, quoi. Mais si c'était faux, tu serais pas là, non? Ça a rien à voir avec mon job. Je me fais bien assez. Bien assez comment? Bien assez comme fous-moi la paix. Hey, relax, on discute. Ouais, encore faut-il que... Blast! Elle tabasse ta bière. Tu m'étonnes, c'est de la bière au glystérime. Au glystérime? Mais on va être stone.
Mais non, c'est pas très fort, ça va nous détendre un peu, c'est tout. Par contre, fais gaffe, ça monte d'un coup sans prévenir. Hein. Super, c'est le parfait moment pour se mettre une charge. Pouah, j'ai la tête qui tourne. Je me sens pas très bien là d'un coup. C'est parce que tu parles trop, tu gaspilles tout l'oxygène. Ouah, je commence à être bien raide moi ici. Ah, il fait trop chaud, je suis en sudation. Hey, qu'est-ce que tu fous là? Arrange ça. Tu sais quoi? On devrait passer par Corellia en chemin, prendre une ou deux caisses de cette bière pour la route. Reste ici, je m'occupe de ces touristes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Reste assis là, tranquille. Écoute, quoi? On est grillé? Si c'est le cas, tu vas voir, je... Écoute! Y a plus un bruit. Ils sont sortis, je crois. Attends, je regarde vite fait. Vas-y, fonce, je te couvre. Blast! J'ai éteint mon blaster. Attends! Range ça, tu vas faire péter tout le vaisseau. J'en vois qu'un seul. Il attend. Il attend quoi? Je sais pas, de se rappeler de la dernière fois qu'il a touché sa cible. Oups. Hé, les mains en l'air, tout de suite! Poudou! Il se passe quoi? Il nous a entendu? À ton avis, sors de là, faut se tirer! Ah, attends, je crois que je me suis froissé un truc! Va aux commandes, je couvre l'entrée! Il y en a quatre dehors! Attends, je viens t'aider avec mon mini truc! Qu'est-ce que tu fous? Va piloter, Blast! Et donne-moi ça! Hé, hey, rends-le-moi! Mais t'es déchiré, ma parole! Va piloter ou je te vaporise! Ok, mais tu me le rends, hein? Ouais! Par les eaux noires de l'Empereur, je suis trop stone pour piloter. On n'est jamais trop stone pour piloter. Concentre-toi et fonce. Je vais aux tourelles. Il n'y a qu'une tourelle. Ok. Allez, moi, je veux pas crever ici. Hein. Je vais pas crever ici. On va pas crever ici. Place, il y a du monde dans ce regard. On se tire. Le TBT descend vers nous. On s'en fout. Dégomme les TIE Fighters. On s'en sort, nous vite de là. J'ai plus aucune sensation dans les mains, là. Tu permets? Ah, attends, je vais leur demander de nous laisser un peu d'avance, alors. On est sorti du hangar, calcul du saut en hyperespace. Foutu calcul de saut, il déboule là, joue du manche. Ok. Allez, vas-y, t'es le meilleur de tous, allez. Bim, et de deux. Si le destroyer tire pas, on peut s'en sortir. Blast, pourvu que le destroyer tire pas. Tire pas, destroyer. Waouh, vaisseau. Oh, joli malheur. On avait où des boucliers? Ah, j'ai mis toute l'énergie vers l'arrière. Oh, non. Attends, voilà, c'est bon. Alors, pour l'instant, ça tient. Blast, rayon tracteur. Ah, il reste 3 tailles, car... Ah, 2. La tourelle suffira pas pour détruire le générateur. Ah, il nous ramène, on est foutus. Et puis, j'ai bavé sur ma veste, en plus. Bon, il va falloir trouver un autre plan. T'as des torpilles sur ce vaisseau? Non, j'ai pas de torpilles. Eh bien, alors, j'ai une super liqueur des sables que... Ah, si, j'ai une torpille. Va la chercher, elle est dans la soute. Je suis en train de me battre avec un escadron de chasseurs, là. Toi, t'es assis à attendre que le destroyer nous dégomme. Toi, va la chercher. Ok. Tu te souviens du bis qui nous avait payé une course avec une pauvre torpille? Ouais, enfin... Non. Enfin, c'est pas le moment, là. Eh ben, c'est celle-là. Super! Et si tu l'utilisais plutôt que... Attends, quoi? Une vieille torpille datant de la guerre des clones. T'es malade! Ok, torpille prête, feu! Elle va nous péter, là. Ah non, elle est partie, je la vois. Wow, elle est puissante cette torpille! On est libre! Allez, gaz à fond! Attends, ça peut être super fort là! Comment ça? Regarde sur l'écran! Blast! Puissante en effet! Ça fait un genre de réaction en chaîne! Ça a coupé le vaisseau en deux. Le bis avait raison. Ça vaut bien les 5000 crédits qu'il nous devait. Ouais. Allez, calcul terminé, accroche-toi. Attends, je suis pas... On a réussi. Ouh, et on est toujours vivants. Je connais un commandant impérial qui va se prendre une sacrée danse. Et moi, je connais deux super contrebandiers qui vont devenir légendaires. Je dois commencer à dessouler parce que je réalise un truc là. On va être recherché pour ça. Comment ça, recherché? Bah, par l'Empire, ça sent la prime mort ou vif. Non, ils ont pas vu nos visages et le transpondeur a été coupé. Ouais. Oh, j'ai une migraine terrible, foutue bière psychotrope. C'est l'adrénaline ça, ça fait longtemps que t'as pas eu un peu d'action, c'est. C'est quoi ça? Le bruit que font les problèmes.